YouTube, greux, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back, messieurs dames, de retour aujourd'hui pour le second épisode du DLC sur la tyrannie du roi Washington. Dans l'épisode 1, il s'est quand même passé des choses terribles, j'espère qu'on va avoir plus de sang aujourd'hui. Parce que sans déconner, les DLC, vous avez quoi contre moi avec vos bugs en ce moment? Genre, tous les jeux du monde me détestent, c'est une dinguerie. Bref, dans l'épisode précédent, si jamais vous ne l'avez pas vu, déjà je vous invite à le voir parce que là je vais spoil sévère. On a réussi enfin à avoir notre vengeance sur Benedict Arnold. On rappelle que dans l'histoire il avait fui le fort West Point après nous avoir balancé aux Anglais. Et là pour le coup il a eu ce qu'il méritait. Sauf qu'on s'est pris un coup derrière la nuque et Putnam nous a embarqué au travers de nouvelles aventures en direction de Boston. Et apparemment là-bas, Benjamin Franklin est pris pour cible par l'ennemi. Donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'on arrive à le secourir, se débarrasser de Putnam et se rapprocher toujours plus du roi Washington. Ce DLC est sympathique ma foi, hein. C'est vraiment dommage qu'on ait pas de bol avec les bugs, parce que franchement, c'est stylé. Allons-y. Pourquoi Washington vous a envoyé attaquer la frontière? Washington, il cherche quelqu'un, une indigène qui a tenté de s'en emparer. Ce n'est pas toi qui lui révélera où je suis. Oh Soignez-vous le plus possible de la ville. Cachez-vous dans la forêt. Je te guide. Rianer nous a chargé de ramener des rameaux du grand sourd. Pour faire la tisane, je crains qu'elle ne s'égare. Elle sait bien que cette tisane est une arme dangereuse. Ne faites pas ça. Vous ne triompherez pas ici. Toi, tu as survécu. C'est incroyable. Cette fois, tu n'échapperas pas à la mort. Seul et unique devoir est de racheter les erreurs de ta mère. Tu dois trouver le grand saule, y grimper et rapporter les rameaux vierges qui poussent à son sommet. Bois leur essence et tu auras le pouvoir de te battre et de terrasser ce roi démon une fois pour toutes. Oui, Amère. Tu dois tuer Arnold et mettre un terme au massacre. Tu dois réussir. Tu m'as échappé une fois, mais aujourd'hui tu vas mourir. Va voir Benjamin Franklin à Boston. Il pourra t'aider. Si tu le libères. Le libérer d'où? Je t'ai eu. Il est vrai. Il est vrai, il s'est aussi passé tout ça. On avait un peu oublié. Ah, terrible. Notre phare. Oui, oui, notre phare. Il guide nos pas. Nous aimons notre roi. Il guide nos pas. J'ai un présent pour vous, votre Altesse. Un présent? Je pense qu'il sera à votre coup. Quelle prévenance, Putnam? Vous étiez au courant, monsieur Franklin? Non, je n'en savais rien. Quel genre de présent, général Putnam? Le meilleur qui soit. Venez voir. Relevez-le. C'est l'homme sur qui vous avez tiré à bout portant au village, sire. Vraiment? Et il a survécu? Remarquable. Oui, cela dit, j'ai moi aussi fait une prise dans la cellule voisine. Un sauvage qui avait rejoint ce traître de Sam Adams. Que l'on les décapite tous les deux. Avec une poignée d'autres citoyens pris au hasard. Ils feront office d'exemple à tous. Pris au hasard? N'est-ce pas un peu sévère, votre majesté? Sévère, monsieur? Est-ce de la sévérité que de défendre nos libertés? Que de vouloir éradiquer ceux qui voudraient nous asservir? Monsieur Franklin, je vous invite à sérieusement réexaminer votre dévouement à notre cause. Certes. Oui, bien sûr, votre majesté. Faites préparer l'échafaud sans tarder. Bien, sire. Putnam, je crains que M. Franklin ait laissé le doute l'envahir. Matez cette rébellion insensée, et je songerai à revoir la hiérarchie de mes troupes. J'ai déjà conçu un plan, Majesté. Quant à toi,
Nous verrons si tu survis une fois la tête tranchée. Hmm? Je compte sur vous, Putnam. Oui, Votre Altesse. Ouvrez l'œil, soldat. Waouh ! Pardon, mais ces abdos ! Papa, 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 papa ! C'est ça qu'on veut ! Bon alors attends, parce que du coup c'est toujours autant le lobotomisage, hein, c'est-à-dire que genre grâce au sceptre d'Eden, Washington fait ce qu'il veut de qui il veut en fait. Et genre le premier, le soldat là. Mais du coup Benjamin Franklin est aussi du côté de l'ennemi. Oh c'est chaud. C'est quoi? Le phare qui guide nos pas. La vue n'est rien comparée à l'odeur. Ah oui d'accord, c'est le bidet, c'est le bidet. Bon alors attends, du coup, on a un voisin de Joel. Notre phare. Est-ce qu'il nous aiderait pas? Appuyez sur Y pour utiliser la cape de loup. Ah, pour faire genre, on s'est enfui. Graou! Il s'est évadé! Venez m'aider! Que se passe-t-il? Sauf qu'en fait, non! Silence, toi! À l'aide! Qu'est-ce qui s'est passé? Il était là et puis plus rien! Il doit y avoir un passage dans le mur! Mais du coup, on n'a pas de lame. Donc on fait comment? Attendez. Hey. On les savate? On les savate! Sortez-moi d'ici! Ok, vas-y, enchaîne. Let's go! D'ailleurs, aujourd'hui, messieurs dames, nouvel épisode, ça veut dire aussi nouveau pouvoir. Donc là, on avait le pouvoir du loup. Reste à savoir ce qu'on va obtenir dans le second épisode. J'ai ma petite idée, mais on sait jamais. C'est mon ref? Attends, il est en vie? Dans cette dimension? Incroyable! Ganondorf, tu es vivant. Oh, mon ami, je n'arrive pas à croire que tu sois là. Et toi? On raconte qu'ils t'ont tué. En même temps que ta mère. La matriarche a réussi à me soigner. Ganondorf. Je n'ai pas pu protéger ma mère. Et je n'ai pas pu sauver le village. J'en suis triste, Raton Akedon. Ici aussi, ça a été difficile. Je me bats auprès des rebelles de Sam Adams. Mais nous manquons d'hommes et de moyens. Allez, sors-moi d'ici. Au fait, je veux pas parler de trucs un peu bizarres, mais est-ce que je peux savoir pourquoi je suis torse nu alors que mon pote non? Genre, enfin, c'est plaisant à regarder, hein, mais bon. Nous sommes tombés dans une embuscade et j'ai été capturé. Ah, mais ils sont pas morts en fait, eux. Nous sommes enfermés. Comment t'as pu laisser faire ça? Je n'y suis pour rien. Alors, attendez. Ok, ça va, y'a personne. Y'a personne et on récupère le matos. Non, ça veut dire se rhabiller. Non mais ça va, hein, il manque rien du tout, on est bien là. Pour de vrai, ça lui va trop ce style. Pourquoi on reste pas comme ça, bouh? Je ne veux pas me rhabiller. Pas au complet. De m'avoir sorti de cette cellule. Mais du coup dans cet épisode on va être à Boston, excellent. Excellent. Oh, ça veut dire que dans chaque épisode, il y a un monde ouvert lié. Donc en gros... Ah putain, ça veut dire 3 zones de coffres et d'objectifs secondaires et de... Oh, ça va être compliqué. Je sais pas si on va faire un épisode 4 et je sais pas comment il va se passer du coup. Attends, ok, ici. À nous de jouer. Je t'appellerai quand la voie sera libre. Alors attends. Wow. Hey, le concept d'attendrice. Si, t'es un gros con, tu le sais ça. Ok, let's go. Voyons voir. Alors attends. Ils sont combien? Ils sont... 1, 2, 3. Et par là, ils sont encore un peu plus. Ça risque d'être compliqué cette histoire. Parce que là, le but, je suppose, que c'est d'être un maximum discret. Ouais, sauf que être un maximum discret, ça risque d'être compliqué. J'ai pas ma lame, je suppose. J'ai pas ma lame. J'ai juste le pouvoir du loup et un arc. Bon. Allez, direction le tas de foin. On va tenter un bail. Fait fouetter un homme qui s'était mal rasé. Le pauvre s'en est tiré à bon compte. Je pense qu'il doit y avoir un moyen d'attirer tout le monde à l'extérieur. Genre, à mon avis, là, faut juste faire un espèce de relais de planque et atteindre un objectif. Récupérer le reste de votre équipement. Ah, c'est ça, hein. Et ça, c'est ça, c'est ça. Merde. Non. Je suis coincé. Putain, tu fais des dingueries. Il veut tout escalader. Connard, pardon. Sa Majesté le Roi est ici à Boston. Ça me rend nerveux.
C'est l'occasion rêvée d'attirer son attention. Ça me rend pour ce qui est de l'annexe, je sais pas comment ça va fonctionner parce qu'effectivement, je vais pas faire un épisode d'annexe par épisode. Je sais pas, peut-être que je ferai une grosse VOD de l'ensemble, peut-être que je la ferai même pas. Et en vrai, les coffres apportent rien. Hein. Dans l'histoire principale, ça avait de l'intérêt, mais si ça n'apporte rien dans le DLC, je le fais pas. Hein. Par contre, les fragments de mémoire là, ça à la limite. Ça à la limite. Je suis dans le pétrin. Pourquoi ? Le commandant Franklin, je suis vraiment allé au-dessus du foin. Genre, j'ai vraiment failli me faire niquer là-dessus. J'aimerais pas être à ta place, mon ami. Franklin est dur, mais Putnam est fou. Allons-y pour Ok. Heureusement qu'il a regardé une tache sur un mur. Hein. Une tache sur un mur. Qui picore et qui peint dur. Bonsoir. Tuer les trois gardes sans vous faire repérer. Alors. Ah ouais, mais. Arrow. Ok, Uno. Bah oui, mais Dieu. Comment? Ré. Ok. Ah non, les trois gardes sans se faire repérer, c'était dans la zone d'avant. Ah pardon, mais pourquoi l'objet qui est optionnel, il apparaît maintenant aussi, c'est débile. Bon, bref. Messieurs, dames, prison break. Et on a géré. Pas du tout, pas du tout. Donc je pouvais tuer trois mecs sans me faire repérer. Comment? Ah mais si, les trois gugus de faim qui regardaient la tache sur le mur. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du saule rouge. Ah. Voilà la source de ton agilité. Tu as fait un voyage céleste. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Si nous voulons battre Washington, il me faudra la force des esprits animaux. Non. Ma mère ne voulait pas que je fasse ce voyage. C'est trop dangereux. Nous n'avons plus le choix. Mais tu risques ta vie pour rien. Malgré l'aide de l'esprit du loup, ils m'ont fait prisonnier. Tu ignores bien des choses. Chaque voyage offre l'occasion de rencontrer un nouvel esprit animal. Attends. Chaque voyage risque aussi de te corrompre. J'en connais tous les dangers. Alors c'est moi qui voyagerai. Bon, bah c'est toujours aussi bien hein, l'alcool, hein. Ouais. Ouais, ne faites pas ça chez vous. Ok, donc nouvel esprit déjà, incroyable. Ah oui, c'est celui que j'espérais. En vrai, je m'en rappelais un petit peu. À part le loup, les autres animaux, je sais exactement c'est quoi. Et du coup, celui-là, il va permettre de faire quoi? De s'envoler? De s'envoler, de s'évader. Ok, alors je suppose qu'il faut l'atteindre. Vraiment très très stylé ces passages-là. Hein. Ah, j'aime bien. Ok, c'est exactement comme les arbres qu'il faut escalader pour les points d'observation. Et donc je suppose qu'il n'y aura pas non plus de tas de foin, hein, n'est-ce pas? Donc je vais me faire chier dessus au maximum. Maximum. Coucou petit oiseau! Qui est en fait un aigle, je suppose. Ah non, tu vas où? Sauver tous les œufs. Hein? Comment ça, sauver tous les œufs? Quoi? Oh, rawr! Là! Ok, attends, il y a des rawr! Il y a des rawr! Pas touche! Méchant rawr! Oh l'enculé! Ok, moins un! Enfin, moins deux. Touchez pas, bande de rawr! Ok, et de 3 wow. Chacal. Et de 4 wow. Où ça? Ok, ils attaquent à 2. Ils attaquent à 2. Ok, moins 1. Voilà, fuyez. Bande de wow. Putain, heureusement qu'il y a ce kill. Sérieusement, ça te fait gagner du temps, mais laisse tomber, quoi. C'est bon? Oh yes. Regagnez le nid.
Mais non. Mais purée, mais si. Attends. Oh, c'est génial. J'étais pas sûr, parce que je me disais, oui, le vol, Dex, ce serait cheaté, mais ce serait stylé. Oh, c'est trop bien. Du coup, maintenant, excellent. Je peux voler d'une branche à l'autre. Non, mais mec, mais il va y avoir des capacités avec ça. Tu vois, c'est dommage qu'on n'ait pas plus accès au monde ouvert, mais avec les capacités en vrai. Oh, ça aurait pu être tellement bien. Alors, par contre, comment je... D'accord, tu sautes et tu pouvoir d'aigle. Excellent. Mec, c'est génial. Bon, par contre, je sais pas à quel niveau tu vas pouvoir enchaîner les sauts en temps réel, mais... let's go, c'est trop bien. Par contre, d'un point de vue réel, bon... Ah! The fuck? Et là, je fais comment? Et là, je fais comment? Attends. On a un peu chuté. Ok. On regagne le spot. Mais! Attends, c'est mal branlé. Deux secondes. Parce qu'en fait, le jeu m'expulse. Voilà, en fait, faut vos boutons tout de suite. D'accord, ok, faut le savoir. Oh, c'est stylé. Ça donne envie d'en faire plus, en fait. Ok. Tu vas où, Coco? Tu vas là-bas. Et attends, je fais comment? Là! Ok, la branche n'était pas blanche, j'ai paniqué. C'est fait exprès pour que t'enchaînes. Ah oui, oui, bien sûr, le tuto juste avant avec les cailloux là, bien sûr. Mais c'est vrai que vu que ça me l'a pas dit, enfin je crois pas. Du coup, j'ai un peu chié quoi. Ok, let's go. Mais c'est trop chié. En fait, ça me rappelle, parce que dans AC2, tu sais, tu contrôlais un aigle à un moment. Dans les souvenirs de Desmond, tout ça. Enfin, pas les souvenirs, mais dans la vision qu'il avait. Enchaîner 3 vols de l'aigle 2 fois. Ah, bah j'avais pas vu l'objectif. Autant pour moi. C'était très stylé. Attends, c'est moi. What? Wow! Ok. Let's go! On y va! Oh, j'aime bien. Mais comment tu veux éviter ça? Non, mais mec, mais pardon. L'objectif secondaire, c'est de rien se taper, mais pardon. Faut faire un perfect move. Bon. Je veux pas en rajouter, hein, mais AC3, c'est quand même vachement perfectionniste. Hein. Donc, désolé à ceux qui font les objectifs optionnels, mais voilà. On n'est pas là pour ça. On est là pour un marathon qualitatif à base de... Ah! De qualité Kazma avec un grand K. My. Et tout se ferme sans prévenir, salaud. Comment je te vide, moi? Nya. Oula. Ah oui, bah d'accord. Ok, excellent. Génial. Très heureux. Ok. On va dire à gauche. Oh la vache. Non mais mec, c'est super juste. Ah, et là, je me le suis bouffé sans pression. Et le jeu, il dit rien. Bon. Voyage céleste. J'ai bien aimé la première partie, moins la deuxième, du coup. Bah, n'empêche, dites ce que vous voulez, j'ai quand même 70 sur 100. Hein. Voilà. Bon, victoire totale quand même. Excellent. Donc, on a un nouveau pouvoir, le pouvoir de l'aigle. Et avec ça, on va pouvoir se déplacer de manière cheatos, surtout qu'en ville, les gars. Ça va être monstrueux. Allons, Nagel. Attends, Nagedon. Des tuniques bleues. L'alerte a été donnée. Tu as vu un esprit? Est-ce que ça va? Je n'ai jamais été mieux. Ok. On a des nouveaux tatouages, les enfants. Allons-y. Alors, attends, du coup, je peux les enchaîner sans problème, en fait. Ah ouais, excellent. Et je peux aller dans un tas de coins. Oh, c'est génial. Mec, une aventure complète où on fait que ça, ça aurait été tellement bien. Alors, comment ça se passe si je veux utiliser l'aigle en combat? Ok, je peux pas utiliser l'aigle en combat. Peut-être que je n'ai pas encore la capacité adéquate. Ah, par contre, le loup, ça... Sélectionnez le vol de l'aigle pour effectuer un assassinat de l'aigle. Genre quoi, je vole et j'assassine, je comprends pas. Sauvage. Tuez-les, Washington aura nos têtes. Ou du moins la mienne. Ok, attendez, c'est tellement stylé. On retente. Maintenez Y pour viser et assassiner. Alors, attends. Là. Ok, sélectionnez le vol de l'aigle pour effectuer un assassinat de l'aigle. Alors, attends, comment ça se passe? Il n'y a personne ici. Oui, le vol de l'aigle, c'est sélectionné. Attendez, j'essaie de comprendre, hein. Ok.
Alors, en manuel, j'ai à peu près compris. En manuel, j'ai à peu près compris. Mais par contre, en automatique, je suis pas sûr. C'est génial. On va les prendre en soum soum. Voilà. Eh, mon gros. Nya! C'est génial. Et en plus, j'ai l'impression que mes capacités, elles sont illimitées. Oh ouais, une vraie aventure à explorer comme ça, ça aurait été tellement bien. Donc toi, j'ai pas le bon spot. Attends, on va se mettre là. Non, un peu loin, un peu loin, un peu loin. Pas besoin d'être aussi loin. Ah, je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi je peux pas le faire? Trop loin? Attendez, peut-être que je suis un chouïa trop loin. Merde, je peux pas me rapprocher. Et là, je peux pas le faire. Merde, pourquoi? Attendez, c'est chiant. Oui. Voilà. Ensuite, on regarde les hauteurs. Tu les gardes sans me faire repérer. Ah, j'avais pas vu l'objectif. Bon, bah vas-y, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Merde, j'avais vu que le premier. C'est pas grave. Voilà, et on joue ce qu'on peut jouer. Ah, ça va me faire un peu mal, par contre, de tuer Benjamin Franklin. Oh non, ça, je l'aime bien, c'est mon ref sûr, tu vois. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, installez-vous confortablement et merci à toutes les personnes qui font le sommet Prime. Bien mérito. Ce sont les sauvages, à l'attaque. Je m'occupe des soldats, toi arrête Franklin. Eh ben, quelle course-poursuite! Alors par contre, j'avoue, je cheat un peu quand même. Hein. Temps avant l'évasion de Franklin. Non mais incroyable. Eh les gars! Les gars, mais cette capacité-là, mais c'est fini en fait. Mais du coup, attends, si tu joues... Enfin, si tu relances l'épisode 1, tu as tous les pouvoirs? Je me demande. Eh si, 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 faut l'assassiner, hein. Faut l'assassiner, mais il va super vite! Mais pardon! C'est un bat de Franklin! Viens là! Quel bordel! My! Bah je pensais pas le tuer de moi-même. Je pensais vraiment il se prendrait un coup dans le dos par Putnam. Un coup de flingue ou quoi. Damn! Oh j'ai un peu le mort, je l'aime bien Benjamin. Mon Benou! Benny! Vous... Mais où... Je... Je ne comprends pas. Qui suis-je? Pourquoi Arnold a dit que vous pourriez m'aider? Est-ce moi? Mais oui. C'est bien moi, je suis redevenu moi-même. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Je n'apprécie guère qu'on se mêle de mes plans! Oh oh. Oh oh. Nouveau Sugar Daddy! Chaque aventure a droit à son Sugar Daddy. Oh j'adore, utilisez vos pouvoirs animaux pour combattre Washington. Let's go. Nya. Alors, culé. Ah oui d'accord. Bah tour de magie, t'es mignon aussi. Oh. Non mais il peut parler avec les tours de magie. Chacal. Ré. Ré. J'aime trop, c'est trop stylé. Oui, c'est la merde. Attendez. Ah, je sais, je sais, je sais. Oui, oui, oui. Être invisible. Arrow. Arrow. Il ne sait pas où je suis. Arrow. Cul. Ah, blablabla. Enculé. Attention. Arrow. Ok, 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 ok. C'est toi le chat. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Fuyez. C'est ce que tu as de mieux à faire. Oh la vache, et ça met un coup de presse, hein! Voilà! Wouah! Pourquoi m'as-tu désobéi, mon fils? Ta mère ne peut plus t'aider! J'ai cherché à te protéger! Tu n'as pas su sauver ton village! Pas plus que tu n'as sauvé ta mère!
mère, Adonaged. Maintenant, tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Il n'est resté qu'une flèche! Oh mon dieu! J'aime trop, la mise en scène est géniale. Le meilleur projet X de ma vie. Ah! Ah! C'est pas vrai, c'est pas moi! Je le tenais, j'avais Franklin. Et là, Washington. Je ne sais plus. Washington? Peut-être que je ne dois pas libérer Franklin d'une prison. Mais plutôt l'affranchir du pouvoir de Washington. Jeune homme, te faut-il un médecin? J'ai trouvé un allié à Donageddon. Samuel Adams. Ah, je te connais? J'ai entendu parler de vous. Ah, l'homme à la capuche de loup, c'est donc toi. J'admire le travail que vous avez fait, et que vous faites encore. Nous luttons, mais les temps sont durs. Ton aide nous serait utile. Viens, Adonageddon. Nous devrions tous nous en aller. Je connais un endroit où nous serons en sécurité. Stylé! Donc Samuel Adams est toujours notre bon vieux Samuel Adams, tout le monde veut ma mort. Bon, messieurs dames, alors attendez, retour à Boston. Qu'est-ce qui a changé? Ah, déjà on n'a pas accès à la moitié de la ville. Enfin, je pense pas qu'on n'ait pas accès forcément à la moitié de la ville, mais surtout, genre, il y a la moitié de la ville qui sert à rien, on dirait. Bizarre. En fait, s'il faut, t'atteins là et t'as un grand mur de Berlin et tu peux pas avancer. Bon, donc je rappelle qu'on fait pas les coffres, les fragments, tout ça. Ça fera office d'une VOD bonus, je pense. Parce qu'apparemment, les artefacts permettent quand même à la fin d'obtenir un truc un peu cool. Donc, à faire. Maintenant, pour le reste, je sais pas. Hein. Franchement, on verra, mais... À part me concentrer sur le scénar, je vois pas l'intérêt de me disperser pour le coup, tu vois. Ah, Samuel Adams, c'est toujours mon ref sûr. Ça, c'est cool. J'aime trop le pouvoir de l'aigle. Mais du coup, attends, Benjamin Franklin, il est mort? Ou pas? Retour à l'envoyeur. Let's go. On enchaîne. Si Franklin arrive avec des renforts, nous serons pris au piège dans cette ruelle. Comme l'autre fois. Adonaged, il paraît que tu es un chasseur extraordinaire, capable de traquer n'importe quelle proie. Je connais la chasse. J'aurais besoin de tes talents. Cela fait des années que je me bats pour la liberté. Je pensais que Washington nous guiderait vers une aube nouvelle, mais il a changé. Et tout est à refaire. Hélas, notre nouvelle rébellion faiblit déjà. Monsieur, nous manquons de poudre. Il faut quitter Boston, ou nous serons écrasés. Je veux libérer des camarades et les emmener avec nous. Ils soutiennent notre cause. Mais cette fois, évitons d'être surpris par cet assassin de Franklin. Si quelqu'un se chargeait de traquer Franklin pendant que nous tentons de libérer nos amis, cela confondrait les tuniques bleues et garantirait notre succès. J'ai mes propres raisons de traquer Franklin. Formidable. Je vois que nos intentions concordent. De temps à autre, nous recueillons de précieuses informations dans cette taverne, juste là. Ton apparence attire l'attention, mais si tu parviens à te fondre dans le décor, tu découvriras peut-être ce que Franklin prépare. Mais si c'est juste ça le problème, ça te dirait pas de te saper à l'ancienne? Après, je comprends, hein, c'est le DLC, tout ça, machin, mais bon, quand même. C'est vrai qu'on passe pas inaperçu. Hein. Y a un petit flow qui commence à augmenter. Hein. Pa 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 pa. Entrée dans la taverne des tuniques bleues, let's go! Donc oui, Benjamin Franklin est en vie. Et donc il va falloir en savoir plus. Je maintiens toujours ce que j'ai dit à propos de Putnam. Hein. Je pense que vraiment à un moment, il va débarquer d'on ne sait où et mettre un bon coup dans le dos à notre cher Bennu. Mais du coup, Bennu est toujours un ennemi? Ou il a retrouvé la raison pour de vrai? C'est chiant. Là, il y a la ville entière qui veut ma mort. Il y a des ennemis de partout. Ok. C'est chiant. Je suis obligé de taper de ces zigzags en vie, mais laisse tomber. Ouais, Putnam. Je sais pas, il avait dit qu'il voulait se faire Benjamin Franklin à la fin de l'épisode 1. Donc, moi, je prends toujours ça en compte. Hein. Et du coup, tous les coffres sont gardés? Oh, mais ça va me prendre un temps monstre si je fais les coffres. Ça sert à quoi de faire les coffres? Attendez.
Parce que il y a pas de commerce. Donc à quoi servent les coffres en multi? Dans le DLC. Oh, j'ai dit en multi. Quoi? Flèche 2. C'est juste des ressources en fait. C'est de la merde. Si c'est juste ça, ça sert à rien. Hein. J'irai juste chercher les fragments machin. Hein. Ils ont mis autant de coffres juste pour des ressources de combat? Attends, on va en récupérer un deuxième. Deux secondes, j'ai besoin de savoir là parce que. Waouh! Ah, moi je veux bien, hein. Ça fait pas un peu beaucoup pour rien? Enfin, pour vraiment pas grand chose? Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal. Ah! Allez, marquez sur vos faces! Et mercredi. Bon bah super. La discrétion ne pouvait pas œuvrer jusqu'au bout. Vu que c'est Washington qui t'a arrêté avant que tu le tues, il a dû remettre à son service. Oui mais alors est-ce qu'il m'a vraiment arrêté ou est-ce que c'est son esprit édenisé qui m'a arrêté? Est-ce qu'il était vraiment présent? Parce que bon, c'était un peu ghetto spectral cette histoire. Hein. D'accord. Ça donne juste des ressources. De combat je veux dire. Ok. Eh ben je sais pas. C'est quand même bizarre, parce qu'il y a la moitié des coffres qui sont verrouillés. Et les coffres verrouillés, c'est quoi la différence? On va aller voir un coffre verrouillé. J'ai besoin de faire mes petits tests, là j'arrive, je découvre, tranquille, voilà. Mais si c'est juste ça, bon, bah écoute, je le ferai pour moi, hein, parce que bon, ça n'apportera rien de plus. Alors, excusez-moi, faites pas attention. Voilà, je me permets de débarquer en plein milieu quand même. Parce que je suis un gars comme ça, j'aime bien qu'on sache que je suis là. J'avais oublié que j'avais des pouvoirs. Genre vraiment. N'gaou! N'gaou! Nya! Oh, cette fuite. C'est marrant parce que genre, ils paniquent pas les mecs. Genre tout va bien. Genre vraiment, ils sont lobotomisés. Le fait de voir un mec qui se TP en oiseau spectral et tout machin, tout va bien pour eux. J'ai 30 000 balles de flingue. Comment ça j'ai 30 000 balles de flingue? Quoi? C'est quoi l'histoire des 30 000 balles de flingue? Dans les coffres? Ah ouais? Mais j'ai des capacités magiques, spectrales, mohawk. Oh, j'ai obtenu une arme. Oh, d'accord. Oh, ça c'est pas mal. Donc les coffres verrouillés te donnent du matos, pas du consommable, mais genre un vrai équipement. Attends, je m'en refais un. Oh, c'est sympa. Alors, c'est sympa, mais par contre, oui, bon, ça a pas plus d'intérêt que le scénar, quoi. Je sais pas, vous voulez le voir ou pas? Regarde ton flingue. T'as des balles, toujours pratique. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Ok, bien vu. Ah, mais du coup, en fait, le problème, c'est que j'ai tellement de capacités que j'ai pas envie de me servir de mes armes, en fait. C'est génial! Bon, je dérive un peu, hein. Je vais chercher un coffre en plus qui est méga gardé. Ya! Yeah. Mais pour le coup. Rawr! Moi, j'ai lâché mes loups! Ah, bah super! Arrah! Merde! Il y avait un double finish move! Je vois rien! Je me sens pas aidé. Ah, la double hache. Enfin, la hache à. Bon, nique ta mère, la hache demain. Hein? Voilà! Voilà! C'est moi qui suis mauvais ou bien? C'est moi qui ai été mauvais là, non? Je crois que c'est moi qui ai été mauvais. Non, mais ok, bah si c'est juste pour des armes, bon, c'est sympa, mais sans. Plus, ils m'ont remis à l'entrée de la base de Samuel. Les gars, c'est à l'autre bout de la ville? C'est à l'autre bout de la ville? Je peux pas me TP? Et genre, oh, faites chier, non, bah non, mais tout du long, il y a plein d'ennemis. En même temps, on leur roule dessus, les ennemis, hein, donc un peu bas les couilles. Ok, bon, bah très bien. Ok, bon, bah c'est des armes, sympa. Sympa. Intérêt, je sais pas. Intérêt. Écoute, Twitch, YouTube, dites-moi si vous voulez qu'on le fasse. Là, de moi-même, maintenant, bon. Je pense que ce serait sympa de le faire, mais ce serait tout aussi sympa de ne pas le faire. Ou dans l'autre sens, comme vous voulez.
Bah c'est à dire qu'en fait une fois qu'on aura terminé l'histoire, les armes on s'en foutra un petit peu quoi. Nya. Hein? Pourquoi j'ai plus la hache? Attends, ils m'ont repris le coffre? Attends, ils ont considéré que je l'ai jamais récupéré? Ils ont considéré que je l'ai jamais récupéré? Mais pourquoi? Mais pourquoi le jeu est méchant comme ça? Mais je... Hein? Ok, bon bah je... Très bien. Bah écoute, on va récupérer à nouveau. Hein. Le jeu t'a niqué fort? Ah bah... Je... Oui! Ah oui hein. Rebonjour. Bah écoute, du coup, let's go hein. Ils sont à côté de l'entrée aussi. On profite hein. Ah d'accord. Donc j'ai pu fouiller le coffre et tout le monde s'en bat les couilles. Vous le dites hein si je vous dérange. Ah. Eh, en même temps, je suis quand même un connard. Je me déplace à pied. Putain, Kazma, t'as des pouvoirs. Le jeu te le dit, genre... Voilà, fais ça. Et là, tu vas te déplacer vite. Purée, mais je suis vraiment une tanche. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être un super-héros. Super moi. Ah, et ça consomme quand même de la vie. Ok, d'accord. Donc, tu peux être rapide, mais quand même. Ok, stylé en tout cas, stylé. Bon, de toute façon, tout le monde m'a vu. Ok. Non, mais je voulais juste voir, exploiter, essayer. Ah, je vais douiller. Nya. Oh, ce coup de boot. Ok, génial. Voilà. Allez, les petits couillons devant la porte. Qui croient qu'ils sont intéressants ou intelligent de se mettre là. Oh la vache. Et par contre les kills à la hache à deux mains. Bah écoutez, si je trouve des coffres sur la route, pourquoi pas. Bon maintenant je pense pas faire un épisode spécial pour ça, hein. On verra. J'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Nya. Non, c'est pas comme ça. Tu te fous de ma gueule. Ah, j'en ai marre. T'en penses quoi du nouveau pouvoir? Excellent. Je me fais chier dessus par le jeu, mais excellent. Putain, oui, tu peux faire ça, en fait. Je suis bête, moi. Il y a un milliard de soldats au sol. Bah oui, Kazma fait ça. C'est plus malin. Nya! Excellent. Ok. Bon, en même temps, c'est pas mal d'être mort. Comme ça nous permet un peu de voir... Très bien. Et en plus, la vie, elle baisse pas plus que ça, hein. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. C'est un petit dos. On se croirait dans Saints Row 4. T'as l'impression de rouler sur l'ensemble du truc, quoi. Allez, la porte. Allez, on va. Bon, bah, très bien. J'en ai marre. Je savais pas qu'on servait les sauvages ici. Je t'emmerde. Ah, et juste ça. Il devrait être dans un camp. Il m'embrouille. Et en plus, genre, il me menace de combat. J'accepte tous les adversaires. Un loup égaré par... Une petite partie. Let's go. C'est bien mieux que les cartes, n'est-ce pas? Je me souviens de... J'essaie de me concentrer. Bah, attendez, parce que je suis pas fort aux dames, moi. Être aimable. On peut changer la caméra? On peut pas changer la caméra. Je suis pas fort aux dames, moi. Pas fort aux dames du tout. Ok. Ah. Tiens. Ouais, c'était juste pour faire un espionnage. Quelle plaie. Le vieux Franklin m'envoie porter un autre. Je vois rien. Oh, tu es dans de sales draps. Alors attends. Et le pire, c'est que c'est un message pour Putnam. Seigneur, tu peux faire tes prières. Ouais. Ces deux-là trouvent toujours une bonne raison de te faire fouetter. D'être fait à fouetter. Fait tanner la peau et Putnam fait du zèle pour le surpasser. Il se prépare quelque chose. Une seule bière pour moi. Il faut que j'apporte ça au lieutenant de Putnam ou j'aurai droit au fouet, sinon pire. Pourquoi je peux pas utiliser la pièce de derrière? Prenez deux pièces adverses. Ah, il y avait carrément un objectif. Prenez deux pièces. Mais pourquoi on me donne toujours les objectifs optionnels après? Eh, c'est gavant, la vérité. Je suis aveugle ou bien? Je dois extraire discrètement le message. Vraiment, tu peux faire des trucs de fou avec tes capacités, mais il faut être réveillé, hein.
Alors. Voyez la lettre messager avant qu'il n'arrive à destination. Comment je fais pour être full fufu? Comment je fais pour être full fufu? C'est une très bonne question. Attends, il s'est arrêté de vivre là? En fait, le problème c'est que là je peux le récupérer facilement, mais tout le monde me voit en fait. Franchement, j'y croyais pas. Général Putnam, il semble y avoir une méprise au sujet de nos positions et pouvoirs respectifs. Ceci nécessite une entrevue en tête à tête. Demain, sur les quais, à 10h du soir, les sentinelles habituelles assureront notre sécurité. Bien à vous, Benjamin Franklin. Si Putnam ne reçoit pas ce message, je n'aurai pas l'occasion de piéger Franklin. Je dois le remettre dans la sacoche du messager. Oh, attendez, parce que du coup, c'est là que ça devient compliqué. Localiser le messager, il est où? Petit messager? Tu n'es pas là. Où y es-tu? J'aime trop le pouvoir de l'aigle. C'est à la fois monstrueux et en même temps totalement un piège, en fait. Parce que tu vas avoir tendance, justement, à vouloir trop t'en servir. Et ça va faire de la dé. Il est où? Jean-Baptiste Courrier. Il est où? Oh bah alors. Attendez, parce qu'ils sont pas si nombreux en plus. Personne ici. Jean-Baptiste Courrier. Ah. Tiens. C'est juste, mais ça passe. Rejoignez le lieu du rendez-vous. Il me conduira à Franklin. Et pas vrai, m'avait pas vu. Une ombre dans la nuit. Eh ben. J'ai pas compris pourquoi vous m'avez demandé d'utiliser le pouvoir du loot tout à l'heure. Et sinon, Kazma, t'en penses quoi pour l'instant de la découverte? La redécouverte, pardon. Excellent. Franchement, très très bien. Maintenant, il y a toujours un seuil de difficulté qui est un peu au-dessus de ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Mais même pas que dans le DLC en fait, tout à ces trois, parce que, pas au niveau de la difficulté en elle-même, parce que ça c'est moi qui joue mal, hein, c'est autre chose, mais les objectifs optionnels, mais tu t'arraches les cheveux pour les faire, et je sais que j'essaye hein, de vous en proposer, mais déjà, bah ils pop pas tout le temps au début de la mission, ce qui est un peu pète couille, ensuite, bah c'est buggy soft les gars, donc il y en a plein, et bah des fois, juste tu te demandes comment les faire. Parce que si je reprends juste l'épisode 1, rappelez-vous, avec la fameuse scène, pour ceux qui étaient sur Twitch, hein, YouTube, toi, je sais pas si je t'aurais monté ça, mais à un moment, il fallait que je fasse une conversation, enfin, que je suis une écoute, en plein milieu de la frontière, et que je me cache pas dans les buissons. Sauf que j'ai jamais réussi à le faire, donc au bout d'un moment, je me suis mis dans les buissons. Au bout de 4-5 fois, j'en avais un peu marre, tu vois. Mais par contre, ouais, les pouvoirs, c'est super jouissif, hein. C'est super jouissif, j'aime trop. Ah mais oui, je comprenais pas pourquoi on m'avait demandé d'utiliser le loup. Vous savez, en fait depuis tout à l'heure j'utilise la version meute du loup. J'avais totalement oublié que ça permettait d'être invisible. Non vraiment, hein, je vous assure. Donc en fait moi dans ma tête, genre j'étais là en mode oui mais pourquoi ils veulent que j'utilise le loup à mort en fait. Ah ouais mais là je peux pas te tuer là. Ouais. Attends. Ok. Pourquoi il y a le deux pièces adverses qui s'est désactivé d'un coup là. Ok. En fait, si t'as un bon feeling avec tes pouvoirs, tu fais des trucs de malade. Et encore une fois, c'est des jeux qui sont encore très frais dans leur gameplay, hein. Vraiment. Oh, go, quoi? 4 secondes! Non! Oh, putain. Ok, c'était pas dur en plus, c'est vraiment moi qui ai merdé, hein. Tant pis. Mais ouais, les objectifs optionnels, mais ma, accroche-toi. Autant certains, c'est une question d'observation, autant d'autres, vraiment, je suis là, je les regarde et je me dis, waouh. Les pouvoirs donnent des occasions de faire des parcours de malade. Mais pas que des parcours, en fait, de tout.
des manières de jouer, d'exploiter et tout. Il y a eu un moment, un peu moins aujourd'hui je crois, mais il y a un moment je voyais énormément de vidéos YouTube de parcours sur AC. Des gens qui faisaient des trucs de fou et qui refaisaient des missions que tout le monde galère, mais en version perfecte. Et ça faisait des trucs, mais laisse tomber quoi. Qui êtes-vous? Le général Putnam ne sera pas au rendez-vous. Quoi? Enfin, c'est absurde. Washington en sera avisé. Le roi Washington? Sa Majesté a choisi de se rendre à New York pour mater la révolte qui y gronde. Il est parti à New York? Mais pourquoi n'en ai-je rien su? Le général Putnam m'a chargé de vous remettre cet édit du roi. Par la présente, Israël Putnam prendra désormais les... Qu'est-ce que ça veut dire? Dorénavant, vous recevrez vos ordres de Putnam. Moi, recevoir des ordres de cet homme, je vous invite à plus de respect, soldat, ou je donne l'ordre de vous faire abattre. Sentinelle! Sentinelle, mais... Bon, messieurs dames, allons-y. C'est la fuite. Let's go. Où es-tu? Alors attends, poursuivez ou tacler Monsieur Franklin? Putain, par contre, il est grave vénère dans cette version, hein. Normalement, Franklin, c'est un passif, le gars, hein. Il est actif de ouf. Ah mais s'il se pète la gueule devant moi, je fais quoi? Je le tacle? Ah d'accord, c'est fini. Ne bougez pas. Venez avec moi. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Quel monstre suis-je devenu? C'est à croire que Washington dispose d'un immense pouvoir. Venez. Il a brouillé mon esprit. Il... Pas un mot de plus. Venez avec moi. M'emmener quelque part pour me tuer, mais je peux vous aider, je le jure. Donc ça y est, Benjamin est redevenu un allié. Enfin. Par contre, bouge-toi. Voilà, merci. Essayez de comprendre. C'est comme si quelqu'un contrôlait mes pensées. Je n'agissais plus de mon propre chef. Et ça, Connor, il l'a toujours pas compris en fait. J'ai retrouvé mes esprits. Hein? What? Les loups, on se dépêche. Ok, c'est bon. Ouh. Je m'en repens, mais j'étais comme dans la peau d'un autre. Benji le Goat est présent. Mais de fou. C'est Benji le Goat. Moi j'aime trop Benjamin Franklin dans ce jeu. C'est bon. Mais quel calvaire. Si je vous laisse la vie. Mon unique souhait est de racheter mes méfaits. Je consacrerai chaque instant de ma vie à combattre ce roi. Comment? Mon bon monsieur, je peux vous être très utile. J'ai servi auprès de Washington, je connais très bien ses habitudes. Nous allons en discuter avec Adams. Eh ben j'aime beaucoup. C'est dommage hein, parce que je sais pas si c'est parce qu'on a les pouvoirs ou quoi que ça rend énormément de phases... technique ou voire même bancal, mais par contre l'ambiance, l'histoire, c'est cool en fait. Le background a bien été revu hein. Et le fait qu'aucun de ces persos ne se rappelle de nous, qu'ils aient des variances dans leur style aussi, qu'ils ont des manières de penser un petit peu différentes, il y a aussi cette histoire de contrôle. Waouh, ce qui va faire drôle, c'est qu'on va réveiller Putnam en fait, parce que Putnam pareil il est contrôlé normalement hein. Bénédicte par contre, Bénédicte il s'est excusé en mode ouais pardon je voulais pas blablabla, mais ça reste une salope, ça reste une salope. Donc oh, dis donc. Monsieur Adams, j'ai un prisonnier. Franklin. Misérable crapule. Sors-le d'ici et fais-le abattre. Non, non Sam, j'ai retrouvé la raison. Je veux vous aider. Et le meurtre de mon cousin John, les familles de Dorchester, ou bien l'église d'Old North, que tu as fait brûler avec tous ses fidèles. De vraies horreurs, Sam. Fais ce que je t'ai dit. Non. Il peut nous apporter son aide.
Notre seule issue est d'attaquer Washington, et Franklin le connaît très bien. Nous venons d'apprendre qu'il est à New York. En rejoignant les rebelles de Jefferson à Manhattan, nous pourrions attaquer le roi ensemble. Mais comment échapper à l'armée qui contrôle Boston? Les quais grouillent de soldats. Putnam s'est retiré, et le capitaine qui commande Boston Neck a rejoint notre cause en secret. Je suis sûr qu'il nous aidera tant qu'il croira pouvoir s'en tirer sans heurts. Il faudrait qu'il puisse nous aider sans se compromettre. Peut-être en triplant la ration de robe de ses hommes. S'ils sont sous à notre arrivée à Boston Neck, nous forcerons leur ligne. Et une fois à New York, mon aide vous sera inestimable. Je ne veux pas en entendre parler. J'ai mis en place d'ingénieux moyens de protection dans le palais de Washington. Personne ne s'attendra à ce qu'on l'attaque. Vous pouvez me faire franchir ces protections? Il vous faudra un métal d'un certain poids. Il y a en ville un forgeron qui m'est loyal. Il vous aidera. C'est absurde. J'irai chercher le métal de Franklin avant de vous rejoindre. C'est une perte de temps, mon ami. J'espère te revoir à New York. Big Dave? Big Dave? Un forgeron loyal? Big Dave? Le forgeron du domaine? De Davenport? Non. Mec, s'il est là, c'est trop stylé. Parce que genre, s'il y a bien un seul perso qu'on voudrait revoir ici, c'est lui. Genre, on aime tous les persos, mais Big Dave, les gars, c'est un nounours. Big Dave? Dis-moi que c'est Big Dave, pitié. Je pense pas, hein, mais pitié. Yes! Yes! Mais yes! Mais oui! Mais oui! Que puis-je pour vous, monsieur? C'est Benjamin Franklin qui m'envoie. J'ai besoin de vos services. Franklin? Il m'a dit que vous possédiez un métal rare. Il aimerait que vous me le remettiez. Ça risque d'être difficile. Donnez-moi le métal. Un homme est passé pour faire ferrer son cheval l'autre jour. Et par les temps que nous vivons, j'étais à court de fer. Faut bien gagner sa vie, non? Désolé, monsieur. Vous en avez fait des fers à cheval? Ouais. Et d'excellents fers, si j'ose dire. Le client était ravi de mon ouvrage. Il travaille à la citadelle, je crois. Trop content. Trop content. Ah, c'était court mais intense. Oh, j'ai mouillé le maillot. Comme lui. Ah, j'aime bien Big Dave. On aime Big Dave. Ah, oh, trop gentil Big Dave. Pauvre gars, hein, pauvre gars. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, je suis content. Je me demande si on va retrouver d'autres persos du domaine. Rigolo, ça. Je trouve ça malin, je trouve ça malin. Ils réutilisent des persos qu'on connaît. Puis en plus, le modèle 3D est déjà fait, donc pourquoi s'emmerder? Puis ça fait un petit peu plus de... Comment on peut dire? D'importance, tu vois, genre... ça rend les persos moins creux. Alors, est-ce qu'il y a toujours l'entrée par en dessous? Ouais, mais là, je peux pas beefsteak, du coup. Panier. Ah, je peux pas beefsteak, en fait. Et lui, le chien, voulait pas le faire, là? La gueule! Terrible, lui, hein. Ok, bien. Alors, on y va. Oui, c'est vrai, pardon. En fait, j'ai tellement joué avec la meute de loup que j'avais zap qu'on pouvait devenir invisible. Je vous jure. Je vous jure. On a fait une petite pause entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc, il y a un coffre juste ici. Mais si vous me dites que ça sert qu'aux ressources de base, bah, on va le prendre, en fait. Comme ça, tranquille, hein. La lame. Nya et nya. Nya invisibilité. Ok. Alors, donc, trouvons l'officier et son cheval. Rawr. Oh, il y a toujours les loups devant. Pourquoi y a toujours les loups? Le happiness est présent. Mais tellement, vous imaginez même pas. En vrai, j'aurais été aussi content de trouver quelqu'un d'autre. Mais je sais pas, genre là... Là, il y avait un petit truc, tu vois. Peut-être parce que tout à l'heure, on parlait de Big Dave en plus. Pourquoi il y a raison, on parlait de Big Dave, je me rappelle pas. Mais voilà, c'était génial. Alors... Where is la cible? Ah! Trouvé!
Il y a une arme juste à côté, est-ce qu'on la prend? Bon, est-ce qu'il y a de l'intérêt en vrai? Lâche. Attendez, je suis coincé en vue loup. Je suis coincé en vue loup. Ah merde. Oh pardon, en fait, ok. En gros, j'ai activé la vision d'aigle avec le pouvoir de l'invisibilité du loup, j'ai bugué. Volez le cheval et prenez la fuite. Taillon ! Et là, c'est le seul moment où forcément... Non, ils arrivent pas à viser. Bah oui, mais non. Je... Comment, en fait? Bah oui, mais du... Bon. Mais en fait, c'est obligé que ça arrive, presque. Bah genre, comment tu veux fuir? Une balle, ça te met à terre. Bon, bah si la scénarisation, elle avait bien voulu, j'aurais dit ok, mais là... Pourquoi il y a des lapins qui courent de partout? J'ai tué un abonné! Sur ma chaîne, il y a eu marqué moins un d'un coup. T'es bon là? Bon bah du coup, il est retourné se garer, hein. Oh! Ok, il a même mis le Neyman. Incroyable. Ok, on est bon? Bien. Oh bah attends. Je voulais pas le prendre, mais du coup, il n'y a plus personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle amélioration disponible. Amélioration bourse à fléchette. Ah, mais c'est même les améliorations! Genre les bourses... incroyable! D'accord! Oui, ah, c'est automatique. D'accord. Oui. D'accord, donc en fait, t'étais obligé de retomber à l'entrée. C'est génial! Comme aussi trop bien! Ah là là! Ah, j'aime ça quand ça se passe bien, hein. Ah là là, moi je suis un gars du perfectionniste. Attends, le cheval il se carapate là. Le cheval! Ok. Le cheval! Le cheval! Viens là! Mais mec, comment tu veux faire une course à pied avec ce truc? Tu peux pas en fait. Genre là, je le fais parce que j'ai l'aigle. Tu vois? Mais tu peux pas en fait. Ok. J'essaye tant bien que mal, hein. Mais en fait, là, je vais canner et ça continue. Allez. Galanta! Oh, il est là! C'est bon, il s'est arrêté. Gentil cheval. Oh, quelle merde. Wouh. J'en ai marre. Ce DLC me pousse à bout. Il faut une température très élevée pour fondre ce métal. Est-ce que vous l'avez? Il vous faudra un pied de biche. Pourquoi faire? J'ai adoré ce plan sur cannabis. J'en ai marre. Ah, ce DLC me plaît trop. En vrai, on s'amuse trop. J'aime bien. Sam et Kanen Dogon sont partis pour Boston Neck avec le reste des hommes. J'espère qu'ils pourront passer. Nous devrions les rejoindre au plus vite. D'abord, je dois faire fondre ceci. Ensuite, je devrais consulter les plans de ma création. Je les ai confiés à un certain officier à titre d'assurance. Il passe le plus clair de son temps à la taverne. Retrouvez-les, que je puisse travailler avec la précision requise. C'est le combientième de cannabis? Bon, vous savez. On a arrêté de compter après 27. Je dis souvent que c'est le cannabis 27, mais parce que j'ai arrêté de compter après 27. Donc je pars du principe qu'ils s'appellent tous cannabis 27. Genre... la taverne. C'est pas le Green Dragon? Ah non, c'est la taverne des... Bah t'es tunique bleue. Ah non! Non, non, attends. Non, c'est pas la même taverne. Miaou. Ok, y'a pas moyen d'atterrir devant sans être... voilà. Genre par là, serait cool. Descends. Ouh. Mon but étant de ne pas créer de conflit. Oh yeah. Hello. On est reparti pour une partie d'âme. De la part de Benjamin Franklin. Désolé l'ami, si tu veux quelque chose, il va falloir me battre. Je dois dire que je suis plutôt pressé. C'est à prendre ou à laisser. Très bien. Mais faisons vite. Donc cette fois, il faut gagner. Ah. Bon, je vous ai dit, hein, les dames, ça ne me réussit pas.
Oui, désolé, hein, pour ceux qui demandent, on avait dit qu'on ferait une partie du DLC en japonais. Mais en fait, le problème, c'est que vu que je fais un épisode par VOD, en fait, ça aurait voulu dire faire l'intégralité de l'arc, et ça aurait pu être un petit peu embêtant. 2 heures de jeu en japonais, compliqué. En vrai, s'il y avait eu les options directement en jeu pour mettre en français, en japonais, en anglais, en australien, quand tu veux, ok. Mais vu que là, faut repasser par les menus et tout machin, non, c'est compliqué. Donc, oui, on fait en 100% français. Ça fait 600 ans que Cannabis 27 est présent, c'est ça, hein. Durant la nuit. C'est ça. Alors, attends. Ça a été une sacrée bataille. Ah, mais là, je suis obligé de manger, en fait. D'accord. Aux dames, quand tu peux manger, t'es obligé de manger? Parce que là, du coup, il va m'enculer une pièce. Bataille n'est pas le mot juste. Disons plutôt massacre. En même temps, je lui encule une autre pièce, donc bon. Voilà, ça fait toujours 2-1. Je suis pas bon aux dames. Il m'encule une pièce. Oh non. Oh, une double même. Oh non. Oh. Comment ça, se sont fait avoir? Oh non. Oh, j'ai été bidon. Il ne leur a pas laissé la moindre chance, les pauvres diables. Mais de quoi parlez-vous? Oui, je connais les règles de base, hein, pour ceux qui demandent. C'est juste que moi, mon truc, c'est plutôt les échecs, en fait. Le capitaine de la garde était du côté des rebelles. Et ils l'ont cru. Quoi? Par là? Eh oui, le vieux Putnam a attiré toute cette armée de tuniques rouges jusqu'à Boston Neck. Et il en a fait de la chair à saucisse. Attends, parce que là, je sais pas trop. Donc là, de toute façon, si je veux avancer, je suis obligé de gagner. J'y étais. J'ai vu Adam se rendre son dernier soupir. Ah, mais du coup, s'il me mange là, il va me remanger derrière. Oh, mais c'est horrible! Ah, attends, je peux quitter? Samuel Adam, c'est... En fait, j'étais obligé de perdre. Enfin, il allait me grailler 2 pièces, là. Ça suffit. Attrapez-le, les gars. Tip top. Allez, on danse. C'est moi qui mène. Ouais. Non, les dames, c'est pas mon truc. Je connais les règles, hein, quand même, s'il vous plaît. Mais c'est juste que c'est à la fois très simple comme jeu et en même temps très technique, justement, parce que les règles sont extrêmement simples. Mais les échecs, je maîtrise pas trop mal. J'ai pas un extrêmement bon niveau, mais quand j'étais petit, je faisais partie d'un club et tout machin. Donc j'ai un peu travaillé le truc, tu vois. Avec madame, on a joué un petit peu, d'ailleurs. Bon, je lui ai mis 6-0, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, de ce fait, j'ai regardé la série Le jeu de la dame, et j'ai trop kiffé. Quand j'étais petit, je voulais faire un truc avec les échecs. Même si j'avais pas le niveau, je m'en fous. Mais ouais, j'adore. Tu peux aimer et pas forcément être bon à une discipline, hein. Regarde, on fait un marathon sur Assassin's Creed et on est mauvais, hein. Comme ça que ça fonctionne, hein. Utilisez 3 attaques contextuelles en vous battant dans la taverne. 3 attaques contextuelles. Qu'est-ce que t'appelles une attaque contextuelle? C'est quoi une attaque contextuelle, hein? Une esquive. Prenez un croquis sur le genre de dame. Dans Origin, on circule en dromadaire. Tu penses lui donner le même nom de cannabis? Alors, si vous posez cette question, du coup, c'est que vous n'avez pas suivi à l'époque un premier LP que j'avais engagé sur Origin et que malheureusement, j'ai pas pu continuer. Parce que en fait à l'époque on m'avait prêté un PC, ouais j'avais des super potes, et on m'avait prêté un gros PC avec une grosse carte graphique, et malheureusement dû à mes études et à ma vie personnelle, j'ai pas pu aller bien loin. Donc j'ai fait une 20aine d'épisodes, et en fait aujourd'hui le LP n'existe plus, parce que j'ai supprimé les VOD, parce que je fais toujours comme ça, me demandez pas. Je pourrais les mettre en privé et juste, tu sais, avoir un peu la nostalgie de les remater ou quoi, non, je supprime tout. Ce qui est très con, hein. J'ai fait la même chose pour Red Dead 2. Bref, mais un jour on aura une revanche, je vous le dis, que ce soit Origin ou Red Dead 2, vous aurez un jour une V2. Bref, et donc dans Origin, effectivement, il y a des dromadaires. Sauf que du coup, nous on avait toujours ce délire de vouloir appeler sa monture cannabis, et c'est deviné, on avait déjà trouvé un nom, et je l'ai toujours ce nom. Comment vous pensez qu'on l'a appelé? Parce qu'il y a aussi des chevaux, donc les chevaux c'est des cannabis, mais comment on appelait un dromadaire? Puis la zone est devenue anonyme. Cui-cui! 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 17 épisodes postés? Ah ok, bah je pensais une 20aine. Ah, peut-être qu'ils avaient été tournés et que je les ai jamais postés. Si jamais tu veux gagner aux dames, je te donne ma tactique. Une des choses que je fais jamais sur ce jeu, c'est enlever les 5 pièces du fond, c'est une technique que j'ai. Ça sert à quoi d'enlever les 5 pièces du fond? Quoi?
Un caladro? Non, mieux que ça, mieux que ça. C'était un petit jeu de mots un peu drôle, mais j'en étais content. Franchement, vous allez rire, enfin, rire à quel point c'est bête. Il y avait les cannabis, et du coup, il y avait les cannabos. Oh, pitié, dites-moi que vous avez ri, merde. Cannabis, cannabos, non, c'est drôle. Par contre, pourquoi ça marche pas, le truc de zone, là? Pourquoi ça marche pas, le truc de zone? C'est bon? Ce joueur de dame... Ok, il fallait juste toucher le sol. Adam s'est-il tombé dans un piège? Je dois en avoir le cœur net. Nya-ha. C'est bon? C'est bon. What? Ah oui. Canadro? Non, j'aime pas Canadro. Canaboss, j'aime bien. Justement parce que t'as le jeu de mots avec la boss. Non mais de toute façon, cherchez pas. Déjà, c'est moi qui nomme mes bêtes. Même si je prends quand même vos idées. Mais Canaboss, c'est trop nostalgique. Genre, l'un de mes plus gros regrets, c'est que justement, vous n'ayez plus l'aventure à cause de ça. Ne vous faites pas détecter durant l'enquête. Eh ben, nique ta mère! Serait peut-être bien de m'informer de l'objectif avant que je l'atteigne! Ça commence à m'agacer, hein! Putain d'aveugle! En fait, je devrais limite mettre pause à chaque fois, checker l'objectif et faire bon d'accord, alors je vais gérer ça comme ça. Mais vas-y, j'ai pas envie de faire ça! Mais ouais, en vrai, j'ai hâte qu'on rejoue Origin juste pour le cannabis, hein! Juste pour cette blague incroyable! Je suis un homme de l'humour! Vous savez qu'il y avait un temps où sur YouTube on se disait les let's players, en fait, enfin les vidéastes de gaming se sentaient obligés d'être drôles en fait. Parce que, mais c'était il y a longtemps, hein. Parce que en fait c'était le truc qui fonctionnait et le truc un peu cliché, tu vois. Les gens étaient là en mode ah lol, il faut que je fasse des blagues même si elles sont nulles. Ah, je sais où on est. Ça faisait partie de l'uniforme. C'est là où on a, bah quand on était encore Etam au tout début d'AC3, c'est là où on a récupéré Tio. Parmi les différents esclaves Moak. Ah oui, il y aura Bayek de boule à l'air, mais Jai. Eh, j'ai pas pu faire l'esquive. Ce sera Bayek de boule à l'air. Non, attends. Si, Bayek de boule à l'air, le Medjay de la street. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Si, il y a moyen, on fait un truc comme ça. Je sais pas, on va retravailler un petit peu le contenu, tout ça. De toute façon, dites-vous que chaque assassin aura droit à sa retransformation. Enfin, je veux dire, ils ont tous eu droit à un moment à Blaze qui a été modifié d'une manière ou d'une autre. Que dis-je? Augmenté? Amélioré? Majestualisé? Si quelqu'un la rêve de celle-là, franchement, il est bon. Majestualisation, si quelqu'un la rêve, franchement, vous êtes des vrais. Par contre, c'est moi où je galère avec trois gueules. Mais pourquoi? Des fois, je me demande vraiment pourquoi je les bouffe en fait. Alors que j'ai vraiment appuyé sur la touche, mais genre une seconde avant que ça arrive quoi. Bayek de boule à l'air, le Medjay de la Kazma Street. Oh, la Kazma Street, bof. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas mis Kazma. Bayek de boule à l'air, le Medjay, Kazma de la Street. Je sais pas. Après, il faut pas se sentir obligé de mettre la street partout non plus, hein. Mais bon, c'est un petit côté charme, tu vois. On attend toujours le surnom d'Aveline. J'ai pas réfléchi, on verra quand il sera. Franchement, en plus, ça va être une damoiselle. Va falloir être respectueux, mais en même temps, trouver un truc bien ficelé, tu vois. Genre, tu peux pas appeler Connor, Oumous, Boule à l'air, Kazma, et pas avoir quelque chose à la hauteur pour Aveline. Mais en fait j'ai peur parce qu'il va falloir trouver un truc efficace mais en même temps pas dégradant, tu vois. Et là ça va être compliqué. Là. J'ai peur, j'ai vraiment. Le tomahawk de Kanem Dorgon. Et ça. Ah merde. Et ça, ce sont ses doigts. Hein? Que j'en sois certain. Quoi? Quelqu'un a dû voir quelque chose. Quelqu'un où ça? Là-bas? Par contre, il y a toujours les trois attaques contextuelles en vous battant dans la taverne. Ah oui, mais non, mais... Hein? J'allais dire, je suis con, mais c'est passé. Mais alors, pourquoi elles sont pas... Merde. Pourquoi elles sont pas désactivées, éliminées et...
Il était mignon, la gueule ouverte. Excusez-moi. Ça a été atroce. Épouvantable. Les rebelles ont dû se battre à 1 contre 4. C'était rien d'autre qu'un carnage. Quelle horreur. Une vraie boucherie. Waouh, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est bien mis en scène. Du coup, tu vois vraiment tout l'horreur du truc, en fait. Mais c'est ouf parce que même en sachant que c'est l'ennemi, je trouve que Putnam a trop de flow. Genre, ce perso est incroyable. Bon, par contre, du coup, on a perdu Sam. Et notre pote. Je vais pas dire son nom parce que... Alors, le prononcer, déjà, je l'ai plus. Et m'en rappeler, je l'ai plus non plus. Ce qui doit être intéressant, c'est de l'écrire. Et ripper voilà les poteaux. Qui nous rapprochera ouais. De Washington. Par le ciel. Mais que s'est-il passé? Ils sont tombés dans un piège tendu par Putnam. Et Adams? Kenneth Dogon? Personne n'a survécu. Tous tués? Oh. Notre tour va venir. Nous devons filer d'ici. Les voies terrestres sont fermées. Nous allons fuir par la mer. Oui, par la mer. Il y a un excellent navire. Mais je suis trop connu pour me déplacer librement. Je vous trouverai de quoi vous déguiser. Excellente idée. En attendant, donnez-moi ce croquis que je travaille le métal comme il se doit. Attendez, on vient de me dire un truc de fou. J'avais pas vu le titre de la mission. Sérieusement, le titre de la mission, c'est L'Aquila reprend son envol? Sérieusement, c'était vraiment ça? Assommé à tunique bleue à main nue. Attends. Mec, on va retrouver... Faulkner? Non. Il est extra, ce DLC. Hein. Vraiment, l'histoire, j'adore. J'aime beaucoup. Bon alors attends, comment je l'assomme proprement sans être repéré par tout le monde? Je peux pas trop, je pense. Hein. Ou alors, bah je le fais à la one again. C'est dommage parce que vraiment, à quelques centimètres près. Il y avait vraiment moyen de gérer ça sans problème. Écoutez, hein, les objectifs optionnels, au bout d'un moment, ça va. Je fais des efforts, j'essaie de les jouer. Le jeu me dit fuck constamment. Bam, au bout d'un moment, je les joue. Ok. Alors. C'était pas lui que je voulais, je crois. C'était pas ça que je voulais non plus. On va s'en sortir. Comment je... A l'aide. Ok. Alors attends, je dois aller où? Ah, je dois aller à l'opposé. On est content. Oh, cette esquive. Ah, salopard. Ok, d'accord, j'ai compris le timer. En fait, ce qui va être compliqué maintenant, ça va être de ramener le problème. Oh là 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 là. Attends, j'ai toujours les meutes de loup, hein, si jamais. Ouais.
Voilà, à l'attaque. Et j'en ai toujours un qui me suit, excellent. Excellent, ça va. On est large. Tu ramènes le gap à la tenue. Bah moi je pensais le défroquer dans la rue et puis bah ça quoi. Je sais pas, à l'ancienne tu vois. Merde. Tu veux quoi toi? Voilà. T'as voulu faire le show, t'as attaqué en solo. T'étais pas au courant, c'est pas grave. Je t'en veux pas. T'es mort mais je t'en veux pas du coup. C'est un peu serré, non? Comment me trouvez-vous? Ridicule. Inutile de vous montrer si honnête. Nya. Ok, protéger Franklin sans vous faire détecter. Ah, ça, ça va être un problème par contre. Sans me faire détecter. Voilà des ennuis. On essaye, on essaye. Je dis pas, mais bon. On va à la taverne. Tu pourras nous payer une chope. On nous a chassés de la dernière. Quelle bande de grognons. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas assez bien pour toi? Ah, ils sont totalement bourrés en fait, les mecs, d'accord. Ok. Bon, en vrai, tant qu'ils cherchent pas des noises, moi ça me va. Hein. Ok, mon grand. Mais du coup, on va quand même se faire Putnam avant la fin de l'épisode. Je pense, hein. Je pense, j'en suis sûr même. J'ai pris un peu de ventre. Ah ah. Vraiment, ah ah. Trop de tours. Non. Cet uniforme n'est pas à toi, n'est-ce pas? Je vais te chier. J'ai pas réussi à faire l'assassinat de l'aigle, j'ai essayé hein. J'ai pas réussi. Ok, c'est pas grave, ça passe. Des fois je sais pas pourquoi l'assassinat de l'aigle veut pas. Et vous là, soldat, halte. Peut-être que je sais pas. Que viens-tu faire dans ce district? Quelle unité appartient-tu? J'ai été amené auprès du général Putnam, service d'ordonnance. Ouais mais du coup, en fait j'aurais dû les laisser parler. Je pense qu'ils se seraient regroupés, il se serait passé un truc. Vraiment compliqué, on a essayé hein, on a essayé, c'est pas grave. Écoute, je fais une tentative, si jamais ça fonctionne tant mieux, si ça marche pas tant pis hein. Vraiment, en forçant t'as des trucs qui passent mais en fait faudrait relancer la mission 4 fois, 5 fois peut-être pour certains trucs. On n'est pas là pour ça hein. On est là pour le beau jeu mais pour le beau jeu autrement. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent. Kazma, tu as dit toi-même, mais Charles Lee, on aime pas. C'est vrai. À la base, j'étais pas trop fan, mais en fait, la conclusion de son histoire avec l'histoire principale, j'aime bien, Charles Lee, finalement. Qui va là? Faulkner! Franklin! Ne laissez pas cette tenue vous berner. Espèce de... Vos hommes m'ont pris mon navire, sale vermine! Du calme, monsieur Faulkner. Monsieur Franklin est du côté des rebelles, maintenant. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et pourquoi vous aiderais-je? Pour récupérer votre navire. Cette satanée jetée est trop bien gardée. Suivant vos instructions, je pourrai remédier à ce problème. Eh bien, voyons. Ce que tu dois faire, c'est ôter les amarres de l'Aquila. Pendant ce temps, je rassemblerai un équipage. Puis nous attaquerons les gardes et prendrons le large. Ça parle un peu des DLC dans le chat, là, sur Twitch. Mais c'est moi ou... Parce qu'en fait, on parle un petit peu de plusieurs AC. Oui, c'est moi ou les DLC, des fois, valent presque plus le coup que l'aventure principale. Non, genre, parce que vous me parlez de Unity, de Syndicate, d'Adewale pour le 4 et tout machin. Et en vrai, tous ces DLC-là, effectivement, ils sont qualitatifs, hein, de souvenirs. Mais du coup, ça veut dire que les DLC sont presque mieux que les jeux, des fois. Pourquoi je peux pas lui sauter dessus? Qu'est-ce qui se passe encore? Allez! Hein? Regarde le DLC d'AC2 avec le bûcher des vanités. Ah, j'avoue, c'est vrai que le DLC d'AC2, il était incroyable. Le discours d'Ezio, mais pardon, Ezio Previdento. El Previdente. J'ai pas compris en fait, je sais pas. J'ai essayé d'assassiner pendant, ouais, 5 bonnes secondes. Vous êtes témoin, vous avez vu hein. Que dalle. Ensuite j'ai tenté de me percher. Que dalle. Bref, est-ce qu'on n'est pas habitué au bout d'un moment? Voilà. Évite de faire des bêtises. On va au bon étage. Non mais écoutez, on va juste dire que c'est ma faute. C'est tout, plus simple. Plus simple. Est-ce que c'est moi, Seigneur problème? Et voilà. Ah non, je suis au-dessus.
Malheur et désespoir. Et là, je peux sauter. Alors, qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, ça voulait pas? Franchez les amarres pour détacher la Killa. Mon bébé! Mon bébé! Et non, mon bébé! C'est pas mon bébé préféré, hein. Vraiment, mon bébé préféré, c'est celui d'Edward. Hein. Mon bébé! Quand même! Nya! Repéré? Non, c'est bon. Ah, oh. Oh, 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 oh! Ah, oui, d'accord. Ok, je pensais pas que c'était un QTE et il fallait intervenir! En parallèle! Allez, gros bisous! Oh le salaud, il y en a un seul qui a résisté. Et mes loups qui font pas le taf, greux. Hein? Très bien. On est content du résultat final tout de même. Allez, on y retourne. Le Jackdaw. Eh oui! Et comment il s'appelait déjà celui de Rogue? L'Aquila, le Jackdaw et. Parce que pareil, je suppose que celui d'Adewale, c'est le Jackdaw du coup. Sans spoil. Sans spoil, sans spoil. Je sais pas ce qui se passe dans le DLC d'Adewale parce que je l'ai pas fait. Et je sais pas à quel moment il se passe aussi. Vis-à-vis du scénar d'AC4. Quitter la zone, devenir anonyme. Nya! Narration de discrétion. Là, là, là! Putain! Oh, le drapeau! Mais tout à l'heure, le drapeau, il avait dit oui. Pourquoi il a dit non, là, greux? Oh. C'est pas du tout ce que je voulais faire, hein. Ok, c'est bon. Le Morrigan. Ah, c'était ça qui faisait que j'aimais pas. Parce que j'arrivais pas à dire Morrigan. Dans ma tête, ça faisait toujours Morrigan. Je sais pas, Morrigan. En fait, non, c'est joli, mais... Je sais pas, ça a pas le même flow qu'un Jackdaw. En fait, Jackdaw, ça fait un peu Pirates des Caraïbes. Ça fait vraiment navire de légende, tu vois. Parce que tu dirais pas le Morrigan. Par contre, le Jackdaw. Je sais pas, genre, c'est un truc, tu vois. C'est dans l'intonation. C'est plus... Ouais, plus stylisé. Et l'Aquila. L'Aquila, c'est pareil, ça fait... En fait, ça fait pas navire qui fait peur comme un Jackdaw. Ça fait plutôt genre... c'est... Tu le vois, c'est l'espoir. Tu vois l'Aquila et tu te dis... On est sauvé. Et c'est à peu près ce que tu te dis quand tu vois le Captain Connor Hummus. Boule à l'air. Kazma. Le retour. Let's go. L'Aquila est prêt. Vous avez votre équipage? Il est là. Ils savent se battre? Ils ne font que ça. Ce sont des marins, voyons. Allons-y. Raisonnement logique. Non, non, ça me va. C'est des marins. Est-ce qu'ils savent se battre? Bah oui, oui. C'est boire, se battre, naviguer. Genre, les gars, y a pas grand-chose de plus, hein. Ah, 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 ah. Attendez, se passe des dingueries. Ah, mais oui, du coup, j'ai plus l'achat demain. Vu que je suis mort deux fois en l'ayant récupéré. C'est pas grave, c'est pas grave. Let's go, les enfants. Putain, c'est stylé. En vrai, par contre, les missions sont très très cool. Et surtout, ça s'enchaîne logiquement, si tu veux. On n'est pas sur 3 semaines plus tard, 3 mois plus tard. Un événement inattendu, interrompable. Non, non, vraiment, on est dans la continuité de tout ce qu'on voit depuis le début. C'est ça qui est cool, en fait. Ah, j'aime bien. Ok. J'ai pas appuyé sur Y de souvenir, mais ok. Je vais peut-être appuyer sur Y, sans faire exprès. Est-ce que c'est moi? Pouvoir de la loutre ravageuse. En fait, c'est Cheetos dans le sens où tu te mets invisible et tu vas bastonner qui tu veux en fait en soum soum. Oh, d'accord. Ok. Attendez. Attendez, 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 attendez. J'ai plus ma hache à deux mains. Et j'obtiens. Et j'obtiens. D'accord. Donc il y a aussi des coffres verrouillés qui en fait. Donne rien. Enfin rien vraiment au-dessus. Aïe. Mais il tentait de me mettre invisible, salaud. Ouh. Ce coup de pied nucléaire. Là. C'était pas lui que je voulais, mais c'est pas grave. J'en ai eu un, c'est ce qui compte. Attends. Vous les prenez 2 secondes. J'arrive. Est-ce qu'il y a moyen. Je récupère ça. Voilà. Alors, et cette fois, qu'est-ce qu'on a? Cartouche. D'accord. Bon, je suppose que vu qu'ils sont sur le scénar, en fait, je pense qu'ils se sont dit, bon, le joueur va vouloir les récupérer, on va pas lui donner 2 armes, tu vois.
Genre, ils ont mis des coffres bidons exprès. Il y a d'autres tenues dans le DLC ? Non, non, pour le coup, c'est vraiment un DLC, donc tu le vis avec avec ce que le DLC te propose. Non, c'est pas l'aventure principale. C'est vraiment un autre monde, un multivers. Allô, les gars, nagez ! Ok ? On tient en position ? Des tireurs ! Vous devez les en empêcher ! Ils pompent sur Faulkner ! Let's go ! Pas touche à Faulkner ! On est bon ? Ils arrivent ! Ok. Attendez. Parce que là, les gars, il y a du pistolet qui se perd. Mais non ! Ça ! Putain, j'arrive pas. En fait, en combat réel, les barils explosifs, je n'arrive pas à m'en servir. Si t'arrives à t'en servir avant que le problème arrive, ok. Mais alors, quand c'est là, tu peux pas, hein. Vraiment, avec tout l'effort du monde, hein. C'est mort. Ah mais non, si je tire dessus, ça va faire péter tous mes amis, donc peut-être pas, en fait. Ouais, non, j'avais une bonne idée qui s'est transformée en mauvaise idée, on va pas le faire. Nique ta mère! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc. Chacal! Et pas Aveline qui apparaissait dans le DLC d'Assassin's Creed 4. Je crois qu'on m'avait dit un truc comme ça, effectivement, la dernière fois, que c'est un DLC. Mais pas spoil. Moi, j'ai pas joué à C4 depuis la première version que je vous ai proposée sur le LP YouTube, en fait. Mais du coup, je voudrais trop me le redécouvrir comme il faut un jour. Donc, pitié, no spoil. Même en termes d'histoire, je me rappelle plus de rien. Les gars, j'ai joué à l'époque de sa sortie. Genre, vraiment, j'ai tout à redécouvrir. Ah bah, sauver tous les membres, c'est niqué, hein. Lâchez peut-être à un moment. Ça vous dirait pas? Eh, sérieux, lâche! Ta gueule! Voilà, merci! Allez, en soum-soum! Fini! Bon bah super! Ah, préparez-vous pour la prochaine vague. Oui, alors, le problème... Ben voilà, c'est que j'ai pas trop le temps, en fait. Non. Allez. Ok. Ta race. Il voulait pas Locke. Bon bah tant pis, hein. Ah mais alors attends, parce que du coup... Ah ouais, bah c'est ça. En fait, y'en a qui se sont mis en mode position de tir. Ah, j'ai pas de vie, merde. Je comprenais pas. J'essayais de faire des éliminations, mais je pouvais pas. Ces gars-là, en fait, ils doivent attaquer en premier, sinon c'est fini. Mais arrêtez de me taper quand je suis invisible! Pas possible, ça! Je suis invisible, ils me tapent quand même! À un moment, le respect, il est où? Ah voilà! C'est ça qu'on veut! Le bon jeu! Le bon jeu! Ok, les deux que j'aime le moins. Voilà! Ah! Ouais, le sauveur! Regarde! Si tu bouges, ne serait-ce que d'un pouce, je le tue! Appelle ta bande et déposez les armes. Sandra Donageddon, vas-y, silence. Comment? Dernière chance. Hein? Mais ils m'ont dit 20 secondes pour le tuer. Mais quoi? Mais tu m'as dit 20 secondes pour le tuer, ça veut dire quoi? Ok. Je savais pas que mon pistolet était un double coup. Let's go. Fuite vers New York. Et à mon avis, messieurs dames, c'est une fin d'épisode, je pense. Oh.
de choses. À cause du sceptre, mais cela n'excuse rien. Au fond de chacun d'entre nous se terre le mal. La pomme ne fait que le libérer. Quelle fin ! Mais quelle fin ! Alors du coup, attendez, peut-être qu'il reste une cinématique comme pour le premier. Je savais que ta seule chance était de quitter les quais. Il continuait à faire tourner la roue. Kanan Dorgon, je ne veux pas le savoir. Terre en vue ! Regarde ça. Messieurs, dames, le prochain épisode et le dernier nous emmènera aux portes de New York. Bon, bah victoire totale. Ce fut un petit peu compliqué quand même, hein, parce qu'en plus des bugs, du coup, il y avait toujours la difficulté croissante et surtout un peu hasardeuse des événements. J'ai essayé d'utiliser vraiment le mix entre pouvoir du loup, pouvoir de l'aigle. Il y a des moments où j'oubliais que je pouvais faire certains trucs parce que forcément t'as énormément de capacités et nous on se concentre uniquement sur l'histoire, donc forcément on n'a pas le temps d'appréhender, de s'entraîner, de faire les choses mieux, on va dire, parce que je prends pas le temps de me disperser. Là je me concentre vraiment sur le scénarium. Les objectifs optionnels, on s'en fout, mais cela dit, avouez, même chez vous, même si vous êtes doué et tout machin, je veux bien l'entendre, que voilà, que ça c'est facile, que ceci, que cela. Si pour vous quelque chose peut être plus accessible, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et encore une fois, moi je suis pas là pour la qualité de jeu, je suis là plutôt pour vous proposer l'ensemble de ce que je vous propose aujourd'hui, et je suis très content du résultat que j'arrive à vous apporter là-dessus. Messieurs, dames, c'était la fin du second épisode appelé Trahison. La prochaine fois, nous mènerons la bataille en direction de New York, et on ira vaincre le mal à l'intérieur du mal. De gros bisous à vous et à très vite pour la suite sur AC3 la tyrannie du roi Washington. Des bisous.